Salut les amis, salut salut, j'espère que vous allez bien. Bah ici ça va. Aujourd'hui c'est une journée, on va dire, d'été, pas de printemps, mais carrément d'été. Il fait, je vais dire, franchement chaud. J'ai un pull, mais j'en chie ma goule. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour, mais très vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. J'ai fait le nettoyage de la serre complet, donc il n'y a plus rien. Plus qu'à retourner un peu puis amender. Je vais aller chercher mon fumier, hein. Depuis le temps que je le dis, il faut que je le fasse. J'ai fini de ramasser mes chayottes. Enfin, fini non, parce qu'il y en a encore. Mais bon, la nuit il fait 5-6 degrés, donc si un jour il gèle, bah, tout sera fini. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien savoir, Jean-Pierre ou quelqu'un qui a des chayottes, si j'enlève tout ou si je laisse pour l'année prochaine. Donc voilà, une petite question. Parce qu'on m'a dit que ça pouvait faire 2 ans. Donc voilà, une petite question au passage. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récolter mes patates douces et puis certainement mes arachides, mes cacahuètes. Voilà. Donc, depuis le temps que tout le monde me demande des cacahuètes, aujourd'hui je vais le faire. Allez, j'y vais, à tout de suite. Bon, allez, je vais commencer par les patates douces. Bon, à mon avis, il va pas y en avoir beaucoup, hein. Donc, je le fais, c'est juste pour le fun. Allez. C'est rigolo. Ça, c'est la mer. Ah, quand même, il y en a une belle. Je m'y attendais pas, hein, une aussi belle. Oh ben voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, juste ça. C'est pas grave, c'est déjà bien. Allez, on va passer aux arachides. Voilà, bon, ben pour les arachides, c'est pareil. Vu que cet été, il y a énormément de fleurs qui ont cramé, je pense pas que ça soit super merveilleux. Mais bon, pour savoir, il faut aller voir. Je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques arachides, une, deux, trois, et encore c'est des petites. Hein. Donc le premier pied c'est moyen. Par contre, il y a des beaux verts. Là, il y en a pareil, hein, voyez, deux, trois. Ouais, c'est assez moyen quand même. Hein. L'an dernier, il y en avait plus. Mais bon, c'est normal. Bon, bah, allez, moi je continue, puis je vous fais voir tout ça à la fin. Donc, du coup, ben, mes prévisions étaient bien bonnes. Hein. Alors, les arachides, hein, vous voyez, ils ont germé. Les nouvelles graines ont germé dans la terre parce qu'il n'a pas fait assez froid, voyez comment que c'est germé. Donc du coup j'en ai perdu beaucoup comme ça. Voyez, il reste pas grand chose. Voilà ce que ça me fait. Donc pour 8 ou 9 mois de culture, ça fait un peu lèche. Disons que c'est, allez, on va dire que c'est pour le fun. Je vais les faire sécher, je vais les faire griller et puis ça fera un petit apéro. Allez, à plus tard. Bon, ben écoutez, voilà, hein. On va dire que c'est des petite récolte. Bon, en cacahuète, je suis pas vraiment surpris, hein, parce que les fleurs, elles fanaient avant de venir à terme. Avec ces chaleurs qu'on a eues, c'était obligatoire. Et puis la patate douce, je m'attendais à rien. Donc, une belle patate, je suis déjà assez content. Donc, voilà quoi. La saison se termine plutôt bien. Donc, je vais continuer mon travail extérieur. Vous voyez, j'ai commencé dans la serre. Je sais pas si on voit, hein, il n'y a plus rien dans la serre. Terminé. Plus rien du tout.
Donc, je vais continuer tout doucement et puis je vais amender, je vais mettre du fumier de cheval un peu partout et puis voilà, je vais laisser le jardin se reposer tranquillement. En attendant, ben, je vais vous remercier, hein, un grand grand merci pour avoir visionné la vidéo, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis à ce propos des chayottes, ah oui, à propos des chayottes, donc j'ai goûté, j'ai fait un plat, donc des petites patates sautées avec des chayottes, là. Voilà. Donc le goût c'est ouais, c'est moyen. Hein. Si on met pas des épices et si on met pas autre chose, c'est vraiment léger léger comme goût. Ça a vraiment pas de goût quoi. C'est entre le polystyrène et le coton, quasiment. Non, j'exagère. Mais gustativement parlant, c'est très très moyen. C'est assez facile à préparer par contre, donc ça c'est bien. J'ai pas essayé en gratin, j'ai pas essayé, j'ai fait que à la poêle. Donc bon, je vais essayer autrement. Mais voilà quoi. Donc abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis moi ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt. Alors je ne sais pas quand parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais récupérer un petit peu mon amendement. Mais je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!